Salut à tous mes beaux gosses, ça me fait plaisir de vous accueillir dans cette actu cette semaine avec des sujets de ouf. Voilà, et surtout cette semaine on a vécu du Counter-Strike de qualité, les IEM Cologne, et eh ben c'était le rendez-vous à ne pas rater et franchement si vous l'avez manqué, c'est pas grave. Déjà, ben, je vais vous faire un petit récap avec de superbes images et de belles vidéos parce que franchement c'était un événement de ouf, l'ambiance était complètement folle et la finale a tenu toutes ses promesses, c'était un banger de match, c'était un match de zinzin honnêtement. Et euh, bah je vais, euh, vais vous donner un petit peu tout mon ressenti là-dessus, mais pas que, il y a plein de sujets, donc continuez de commenter. D'ailleurs, bah surprise, cette semaine, je sélectionnerai 4 personnes qui vont remporter un code Skin Baron dans les commentaires, parce que, comme un imbécile, la semaine dernière, j'ai tout simplement oublié euh, le tirage, donc toutes mes excuses. Euh, N'hésitez pas à me le rappeler de temps en temps si j'oublie, même si euh, je pense que je ferai attention. Mais voilà, cette semaine, bah, 4 personnes seront récompensées d'un petit code de 5 euros, et chacun d'entre vous, et euh, mesdames, je ne vous oublie pas. Vous avez une super chronique cette semaine avec un comparatif homme-femme dans l'esport avec des statistiques sur CSGO qui me fait grandement plaisir. Dans la description et la timeline, vous avez tous les sujets. Continuez de naviguer entre eux et merci. Bonne vidéo à vous tous. Mais on va commencer, euh, comment dire, par un sujet malheureux. Voilà, insultes, menaces, dénigrement, boycott, appelez ce que vous voulez, de la haine, de, du harcèlement, ça c'est sûr à 100%. Euh, bien évidemment régi par des acteurs français, des influenceurs qui ont euh, comment dire leur intérêt personnel dedans je sais pas médisance, concurrence c'est toujours plus facile euh, de haïr euh, quelqu'un et de construire sa communauté sur la haine d'une autre communauté euh, je suis pas là euh, pour me dédouaner défendre ou quoi que ce soit mais euh, là vraiment ça devient euh, très très lourd de ouf malheureusement comment dire je le normalise je le banalise parce que maintenant j'ai un peu l'habitude tout simplement d'être euh, d'être confronté à cette haine constante de la communauté française alors que j'essaye vraiment de tirer de ouf vers le haut euh, Counter-Strike depuis des années en étant même le premier, le seul et l'unique influenceur dans un premier temps. Maintenant il y en a plus, ça me fait extrêmement plaisir. Je parle de tout le monde, je le fais vraiment avec bienveillance, j'essaye de plus faire les mêmes erreurs que dans le passé et pourtant ça continue euh, par rapport à des influenceurs justement qui influencent leur communauté euh, vers ce harcèlement et qui ne sont absolument pas... Et parce que bah, c'est Malek. Et donc, forcément, quand c'est moi, c'est pas du tout la même saveur, c'est pas du tout le même parfum. Et cette semaine, bah, je vous ai sélectionné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Des messages euh, comme ça, juste pour vous montrer que c'est ce que j'ai quotidiennement. Hein, vraiment, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Twitch, que ce soit dans les commentaires YouTube où j'ai une équipe de modération, etc. Enfin, euh, j'ai un modo qui, justement, filtre, etc. Les messages. Mais voilà, t'es vraiment une grosse merde humaine. Pourquoi je suis devant ce channel de fils de pute Je ne comprends pas pourquoi les gens consomment du contenu qu'ils n'aiment ne... qu pas. Euh, voilà, salut, comment tu vas tu vas espèce d'énorme fils de pute et ce genre de choses. Voilà, j'ai des messages vraiment récurrents de ce, de, 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 de ce genre. Euh, oui, il y a aussi du racisme, etc. Mais là, c'est plus de la haine envers moi de manière générale que euh, du racisme en particulier euh, de manière ciblée. Mais c'est comme ça. Euh, nous, on se bat tous les jours. Moi, je continuerai de travailler euh, si Dieu m'en donne la santé, si j'en ai l'opportunité, comme là, je l'ai. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent de manière générale. Vraiment, je vous le dis, merci infiniment à ceux qui... Qui prennent position publiquement vis-à-vis euh, -vis de moi, qui me soutiennent publiquement, qui viennent sur ma chaîne Twitch euh, s'abonner, qui viennent mettre des commentaires publics, me tweeter publiquement, parce que ces prises de position aujourd'hui, c'est une folie euh, d'en arriver là et ça m'attriste fortement, sachez-le. xtase et Alexis B euh, potentiellement kick de chez G2. Sachez que là, ben bah voilà, c'est le la période de mercato. On est dans le player break, voilà, après les yeux m colonnes, donc... Euh, mois de juillet mois d'août etc c'est les périodes donc de vacances et de pauses estivales avec euh, du remaniement euh, de, historique de manière euh, générale on va dire euh, Counter Strike c'est le Mercato en décembre et également pendant cette période et on a des rumeurs euh, selon BlicGG qui a fait un article en disant que euh, Alexis B et euh, Xtas devraient être kick seulement derrière on a Carlos qui tweet et qui dit euh, non 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 c'est faux ensuite on a Xtas qui dit fake news donc c'est totalement démenti de la part d'Extase. Sauf que les amis, eh ben c'est officiel. Alexis B. est. Kicker! Et oui, derrière, deux jours ou trois jours après tous ces tweets, Alexis B a annoncé son kick et son départ. Voilà, je suis autorisé à aller voir ailleurs, blablabla. Donc, déjà, déjà, il faut être honnête, le kick d'Alexis B est, selon moi, justifié. La sauce n'a pas prise. Je pense que c'est un très bon in-game leader, c'est un énorme tacticien, mais que la sauce n'a pas prise. Et bah, il paye malheureusement. Les pots cassés. Donc il dégage. Sur euh, Xtase ou pas, bah, je suis plutôt content, satisfait qu'il les démenti et qu'il n'y ait pas de nouvelles quoique euh, Carlos dément également, mais au final euh, il s'en va. On a un tweet également désormais de Carlos qui dit euh, bah voilà euh, je me sens un petit peu comme une merde euh, d'avoir là actuellement euh, donc le player break etc les vacances euh, quand ils sont dans une période creuse voilà dans une période euh, de disette avec aucun titre et des résultats plutôt moyens il faut il faut, il faut quand même euh, l'avouer et donc euh, là maintenant il dit qu'il a beaucoup de choses euh, à régler euh, pas mal de choses euh, à, à gamberger un petit peu dans sa tête pour pouvoir euh, faire du remaniement. Est-ce qu'on ramène du firepower, un changement, deux changements, trois changements Donc attendez-vous à de nouvelles news sur euh, la chaîne. Donc continuez de vous abonner s'il vous plaît pour ne rien rater de mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à chaque fois et de parler de Counter-Strike qui est un jeu qui me passionne fortement. Et donc euh, on ne sait pas ce qui va advenir un petit peu euh, d'Ixtase, même si je pense que pour moi il a rien. Il a rien à se reprocher euh, malheureusement c'est la sauce qui n'a pas prise avec des résultats vraiment moyens de la part des g2 même s'ils sont dans le top euh, 6 7 monde depuis le début d'année euh, les résultats entre guillemets sont décevants pour leurs ambitions c'est un roster qui demande à aller chercher euh, des titres n'oublions pas quand même qu'en 2021 notamment avec je pense nexa et amanec ils étaient vraiment très forts. Finale de Major, euh, c'était très solide. Là, on s'attendait justement à une, euh, à une montée en puissance et ce n'était pas, pas du tout le cas. Euh, beaucoup de déception de la part, je pense, des supporters, mais également du staff en interne. Et donc, on va attendre euh, des news très prochainement de, de changements qui vont arriver. Les IEM Cologne ont délivré... Toutes leurs promesses, je pense que chaque personne qui est passionnée d'e-sport de manière générale a été totalement séduit, totalement conquis par la ferveur qu'il y avait dans la cathédrale, euh, le légendaire tournoi à Cologne en Allemagne avec, euh, je pense, je pense... Une des, euh, comment dire, des arènes les plus cosmopolites, les mieux représentées de manière internationale avec vraiment une multitude de représentants euh, par chaque pays et des supporters de tout horizon, vraiment. C'est historiquement un tournoi qui ramène le plus de nationalités. Euh, il est sold out, voilà, le, la, la, la salle était euh, comble, les statistiques étaient bien évidemment présente dans cette justement chronique dans cette vidéo, je vais vous euh, faire un petit résumé de tout ce tournoi qui a tenu vraiment vraiment vraiment, je le répète, ses promesses avec une finale en BO5 entre FaZe et Navi, les deux meilleures équipes du monde de l'année 2022 et qui a euh, là aussi tenu tout le monde en haleine avec un niveau stratosphérique de toutes les équipes. Et je vous ai préparé chronologiquement plein de petites euh, chroniques qui vont vous faire plaisir. Déjà, on va faire un comparatif entre IEM Cologne 2022 et IEM Cologne 2022 en termes de statistiques, euh, eh ben euh, on dépasse toutes les attentes, voilà tout simplement avec euh, 240 000 viewers par exemple pour le match d'ouverture contre 350 000 viewers avec l'average viewers qui augmente, le nombre d'heures euh, regardées qui augmente. Bon, il est vrai que il est représenté également par des équipes brésiliennes et que c'est une énorme communauté et donc que ça draine drastiquement le viewership. On a également euh, le pic, viewer, voilà, là je vais vous montrer tout simplement les statistiques de manière générale. 1 200 000 viewers pour les UM colonnes 2022, des stats euh, au rendez-vous. Il en va de même pour le spectacle, voilà, je le répète, avec une finale légendaire, vraiment, avec un comeback incroyable sur ancien. 15-4 phases, Ils étaient menés pour revenir à 15-15. Au final, Na'Vi l'emporte dans l'overtime, mais euh, l'ambiance, euh, la pression était absolument énormissime, et puis des fans en fusion vraiment de tout horizon. Donc 1 200 000 euh, viewers et je rappelle que les IEM Cologne, ce n'est pas un major, euh, donc ce n'est pas un tournoi euh, organisé par Valve et sponsorisé par Valve et soutenu donc par l'éditeur qui est Valve avec euh, entre guillemets les stickers euh, le cash prize financé par Valve, mais également euh, tout le soutien médiatique que peut apporter Valve avec la mise en avant du, des match up etc. via le jeu directement et donc qui draine là encore plus de viewers. Et vous avez donc, euh, donc la, la finale qui fait 1 million 200 000 viewers et plus ou moins 350 000 jusqu'à 600 000 viewers pour les matchs, que ce soit en group stage, en quart de finale ou en demi-finale pour euh, les affiches que vous voyez ici sur, euh, sur la set. On a également l'historique des MVP individuels des U.M. Cologne avec euh, depuis donc 2014 et la création de cet événement Freeberg euh, de chez NIP voilà pour vous rappeler pour vous remémorer un petit peu quand même ce devoir un petit peu euh, que j'ai de vous transmettre l'histoire de Counter-Strike en tout cas c'est pas un devoir mais moi en tout cas je me sens investi d'une mission de vous transmettre la passion de CS et de, 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 de l'histoire un petit peu de cette franchise qui m'a moi animé parce que j'ai vécu absolument tous les événements puisque je suis là depuis euh, la création de Counter-Strike et et donc, de vous rappeler un petit peu chronologiquement l'histoire des équipes et des, euh, des, des aires de domination qu'il a pu avoir. Et donc, on commence en 2014 avec euh, NIP, euh, Ninjas in Pyjamas, avec Freeberg qui est, euh, qui est euh, donc sacré MVP de l'événement. En 2015, on a euh, la triste finale perdue euh, entre Fnatic et Envious, les Français, euh, et donc qui a vu sacré euh, Cologne, euh, Fnatic et Flecha en MVP. À ce moment-là, en 2016, ça a été les Brésiliens euh, 2016-2017, donc ça a été l'ère brésilienne avec Colzera, qui était le meilleur joueur du monde à cette époque, mais également Fallen en 2017. En 2018, premier événement euh, où justement euh, là, c'est l'ère Navi, euh, il commence à arriver justement dans le très très haut niveau, il réintègre Simple, etc. parce qu'avant, il était euh, un peu euh, quand même dénigré, euh, je pense, à ce moment-là. Et donc, euh, Simple et Navi. Ensuite, 2019, on a Zibu. Et 2020, on a Zibou en euh, encore. Et là, c'est l'ère un petit peu du online. Vous pouvez voir qu'en 2020, on a ITAN également en NA, ESL colonne NA. Donc là, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le point noir sur le tableau malheureux avec le Covid. Donc l'ère du online, les tournois se sont joués. Donc là. Pas dans l'arène, là c'est en 2022, euh, c'est dans l'arène euh, avec le public et ce genre de choses. Ça n'était plus arrivé depuis quelques années avec le Covid. Et donc là c'est le retour. Et moi ça me fait un peu peine de voir par exemple là sur le tableau Ethan qui ne joue même plus à CSGO qui a fait le switch sur Valorant qui est euh, récompensé du MVP euh, parce que justement euh, à l'époque Evil Geniuses euh, jouait que contre des équipes américaines et ils ont gagné le titre des UM Cologne. Donc je pense que ça casse un petit peu le prestige de ce côté là. Et donc en 2021, donc l'année dernière, c'était Simple qui le remporte. Et cette année, eh ben c'est encore une fois Simple, voilà, UM colonne 2022, alors qu'il est perdant de la finale. Rendez-vous compte que, encore une fois, pour sacrer euh, Simple MVP, alors qu'il perd la finale contre des phases et notamment des individualités absolument hors normes en finale, il y a Twist qui a joué un niveau stratosphérique, mais également Rops, euh, par exemple. Euh, broqué également tout, 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 tout le tournoi mais rendez-vous compte tout simplement de la prestation de cet animal avec des, euh, des chiffres absolument euh, hors normes encore une fois, hein. il a été positif absolument tout event, les l'event, même les trois petits points rouges que vous voyez il fait du 23-25, du 22-24 et du 17-20, donc ça veut dire que sa prestation n'est absolument pas à prouver, son titre de MVP n'est absolument pas à décrier selon moi, même si FaZe euh, des joueurs auraient pu le mériter, mais j'ai l'impression, j'ai l'impression que chez FaZe, euh, le collectif a primé, il y a eu des individualités qui se sont mis en avant, chacun à leur tour et à des moments cruciaux un coup c'était Twist, un coup c'était Rops, un coup c'était Broky un coup c'était reine également et ne pas euh, non plus négliger et oublier Carigot. voilà, un mon joueur préféré, vous le savez, euh, je l'espère euh, en tout cas ça a tenu toutes ses promesses, comme vous pouvez le voir. Je vais vous faire aussi un petit historique des, euh, des confrontations en 2022 uniquement entre Navi et Phase qui euh, a vu euh, donc euh, cette euh, affiche se jouer 4 fois depuis le début de l'année et 2 euh, à 2, voilà au blast c'est Navi qui l'emporte, euh, au major c'est FaZe qui l'emporte, à l'ESL Pro League c'est FaZe qui l'emporte et aux IOM Katowice c'était Navi qui l'emporte, même si à Katowice c'est FaZe qui a vu euh, par exemple son équipe titrée, c'est juste qu'ils se sont joués en group stage en confrontation directe et que c'est Navi par exemple qui l'a emporté, je parle que de confrontation directe et cette fois eh ben, c'est FaZe qui l'a emporté donc pour à cinquième confrontation, c'est FaZe qui l'a emporté, donc ils sont à 3-2 en confrontation euh, directe. Voici euh, le classement de ces IEM Cologne avec un triste parcours, bien évidemment, de Vitality qui finit dernier, mais également G2 qui finit également dernier. Euh, c'est plutôt pas mal. FaZe en 2022, pour faire un petit récap, ils ont gagné quand même les ESL Pro League, les IEM Katowice, le Major et maintenant les IEM Cologne. Donc quatre tournois majeurs, ils sont en en course pour gagner également le Intel Grand Slam et les 1 million de dollars qui euh, va voir euh, cette équipe être récompensée pour qui veut bien l'emporter. Donc ils ont encore des tentatives jusqu'à la fin d'année. En gros, il faut gagner euh, 4 titres consécutifs euh, de Grand Slam. en gros et Intel euh, donne en plus 1 million de dollars à une équipe. Il faut savoir que euh, cette Intel Grand Slam a déjà été remporté dans l'histoire de Counter-Strike deux fois. Donc euh, c'est Astralis de mémoire, hein, je vous donne ça. C'est Astralis qui l'a emporté euh, il y a quelques années deux ans à peu près ou trois ans mais également euh, il y a deux ans je crois euh euh, Team Liquid, Team Liquid avec euh, leur épopée sur euh, 4 ou 5 mois où ils ont gagné absolument tous les tournois et justement ils ont gagné l'Intel Grand Slam. Euh, donc c'est une super nouvelle, très honnêtement, euh, on a un niveau absolument stratosphérique et euh, j'ai des petits clips super sympas à vous montrer euh, plutôt euh, côté euh, comment dire arène et public avec euh, comment dire du fun, vraiment du fun. Je vous laisse un petit peu euh, vous faire votre avis là-dessus. Phase. They're at the finish line. Six chances. Aïe 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 les amis aïe 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 et oui on est sur CSGO ici les gamins on veut du gaming on veut des headshots les câlins les bisous et l'amour c'est pour plus tard voilà nous on veut pas de ça nous on n'est pas dans le show à l'américaine on veut des headshots bon un petit peu triste pour le monsieur quand même qui se prend une clim par sa meuf qui est plus intéressée par Carigotte le meilleur leader in game de tous les temps en tout cas c'est mon avis personnel que que sa propre que son propre copain et ça déjà arrêté c'est déjà arrivé également par le passé, je vous ai déterré un match entre Virtus Pro, la grande époque de Virtus Pro avec Pachas, Nax, Taz, Neo et Bialy contre les brésiliens. Donc ça c'était aussi de grandes 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 affiches avec exactement la même chose donc je vous laisse prendre du plaisir avec ces images. Et un copain hop qui se fait climatiser. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Même lui ne comprend pas. Et oui les amis, le, le Counter-Strike Game, on ne blague pas avec ça et les sentiments c'est pour plus tard, c'est à la maison. Euh, également, j'ai un petit clip super sympa avec l'introduction de Simple dans l'arène lors des playoffs. Et ça, euh, je vous le dis, euh, ça donne les frissons. C'est incroyable pour ceux qui n'auraient pas entendu ce que le host, ce que le commentateur essaye euh, de nous dire. Forget CS, forget eSport. He might be the best gamer of all time. It's simple. Voilà ce qu'il nous dit. Voilà, donc oubliez euh, CS, oubliez l'eSport. Il pourrait être euh, potentiellement le meilleur gamer de tous les temps. Même si on va pas se le cacher. Je pense que c'est un petit peu surcoté, parce qu'il y a des, quand même des, 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 des figures emblématiques de la scène e-sport sur Dota 2, sur League of Legends. On ne va pas quand même négliger des personnages comme Faker, par exemple. Euh, je pense sur Dota 2, même si on est un peu biaisé parce qu'on est français, il y a Seb également. Euh, mais il y a certainement d'autres jeux où, euh, où il doit y avoir, entre guillemets, leur Goth, hein, leur joueur absolument ultime, même si je pense que le plus grand gamer de tous les temps... Entre guillemets, devrait faire partie d'un de ces trois jeux, CSGO, Dota 2 ou League of Legends. Pour moi, les autres jeux sont trop récents, pas assez de recul euh, pour pouvoir, entre guillemets, faire compétition à des noms de la scène compétitive que je viens de vous citer. Euh, selon moi et surtout il y a des euh, légendes de Counter-Strike qui ont traversé les générations comme Forest comme Get right comme Neo euh, qui sont là également et qu'il ne faut absolument pas négliger et euh, petit encore une image vraiment qui me touche du fond du cœur et je tiens à remercier euh, Clément de m'avoir envoyé ça qui était sur place voilà les Cafardigno étaient sur place aux IEM Cologne j'espère que vous avez vécu un beau moment mes frérots j'espère que vous avez vécu une une belle scène, des belles émotions, une belle énergie, de la pression de ouf. Parce que quand on vit les matchs comme ça en interne, je peux vous assurer que c'est euh, vraiment, 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 vraiment une ambiance complètement folle. Et j'espère que vous avez eu les frissons, que vous avez vécu un bon moment. Moi, je vous le dis personnellement, ça me touche du fond du cœur d'avoir des messages comme ça de soutien, des images comme j'ai pu en avoir euh, au Major à Anvers, en Belgique, euh, il y a quelques mois, et de recevoir comme ça des, 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 des petites attentions. Euh, euh, vraiment, croyez. Croyez-moi que ça me touche profondément. Je suis même un petit peu, comment dire, embarrassé parce que ça me fait un peu honte. Et... Mais, mais j'aime ça. Ouais, je, je... C'est bizarre parce que ça satisfait l'ego et tu te sens un peu euh, honteux vis-à-vis -vis de ça parce que, bon, on n'est que des hommes, entre guillemets, il n'y a pas de fanatisme ou quoi. Mais je vous le dis, ça me fait énormément plaisir. Donc merci du fond du cœur pour toutes vos attentions que vous m'avez portées euh, un jour ou l'autre. J'essaierai de les mettre en avant comme ça pour vous récompenser euh, si ça vous fait plaisir. Bien, bien, bien entendu. Merci. Infiniment. On va se faire un gros dossier, les amis, et on va parler de Apex qui n'est pas kick de chez Vitality au plus grand plaisir des fans français, au plus grand désarroi des haters français parce que, bien évidemment, qu'il y a forcément. Deux camps. Je vais essayer encore une fois euh, d'être le plus euh, euh, juste possible et de donner aussi mon avis euh, subjectif sur euh, le sujet. Et euh, on a une super nouvelle. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo, euh, je vous invite à aller euh, la voir sur euh, euh, l'hypothétique kick de joueurs euh, factuellement selon des stats, etc. Je vous rappelle qu'on est euh, en période de player break et que un mercato euh, pourrait euh, donc subvenir euh, pour absolument toute la scène internationale mais donc également qui impliquerait des changements chez Vitality. Et là, bah, j'ai de la matière, surtout parce que des joueurs pros se sont exprimés sur la forme un petit peu de Vitality et sur ce qu'ils voudraient euh, changer. Mais on a surtout la prolongation de contrat euh, de euh, Apex. Ou alors peut-être que ce n'est pas forcément une prolongation de contrat qu'on qu qu nous met en avant, mais que c'est la durée de son contrat initial, tout simplement. Et donc, bah, voilà, la confiance entre Vitality et Apex est inébranlable. Les changements, c'est... Pas pour maintenant, voilà pourquoi est-ce que je dis ça parce que tout simplement sur Twitter on a vu donc Apex qui dit Je crois qu'ils veulent que je reste, etc. Et on a donc un fan Vita qui nous dit Apex, euh, euh, assis-toi, mon garçon, il faut qu'on parle. Ton contrat, ça en est où On est dans l'inconnu, c'est un peu chiant, vois-tu Et là, il nous dit Demande à neo euh, si tu veux connaître mon contrat. Et Néo répond Je vois 2024, tout va bien. Ça veut dire que le leader in-game et eh ben restera capitaine euh, sous les couleurs de Vitality. Et je trouve que c'est une, une marque euh, de, de, de respect, une marque de confiance. Et c'est extrêmement rare dans le milieu, cette solidarité, cette loyauté. Je pense que Apex, euh, oui, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, si je ne vais pas la refaire, euh, donc allez la regarder si ça vous intéresse, euh, statistiquement est mauvais c'est le mot je, je n'y peux rien allez regarder la vidéo si vous voulez du détail euh, mais que cette marque de confiance euh, c'est vraiment beau on sait qu'il a un certain âge qu'il va pas rester entre guillemets euh, en activité dans le T1 pendant encore 10 piges ou quoi et qu'on veut lui donner entre guillemets euh, ses opportunités ses chances on lui montre qu'on a confiance en lui et tout et je pense que c'est une belle marque et qu'on peut entre guillemets qu'il a mérité entre guillemets euh, je pense le respect qu'on pourrait lui accorder et un peu de tolérance un peu de bien un peu de recul qu'on pourrait prendre de patience on pourrait s'armer de patience et encore donc lui donner euh, du crédit moi je l'interprète comme cela et je suis d'accord avec ça voilà même si même moi je suis un peu impatient je pourrais me dire ouais bon euh, c'est l'heure du changement frérot lâche le lead et ce genre de choses bah, je vous cache pas que quand je vois cette actualité je me dis que ok je préfère prendre mon mal en patience et peut-être attendre encore un petit peu lui laisser sa dernière chance entre guillemets et de, 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 de faire parce qu'il est là pour se battre pour la france il est là pour se pour Vitality, il est là pour ramener euh, des titres, hein, il n'est pas là pour nous saboter le, le frérot Apex. Hein, je parle en tant que supporter, hein, donc il, il, c'est un gros bosseur, c'est un gros travailleur. On connaît les qualités euh, de ce joueur, donc je pense qu'on pourrait s'armer de patience et donc euh, lui faire euh, amende honorable et donc le, le laisser encore continuer quelques temps. Et donc ce que fait Néo en lui montrant cette marque de, 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 de respect, je trouve que c'est fabuleux. Maintenant, je vais vous dire des choses qui fâchent avec euh, des interviews. Euh, de euh, joueurs pro, et notamment euh, Glaive, Yekindar, euh, Gobi, Tapsen, euh, Snappy, enfin des joueurs vraiment de très très haut niveau qui donc ont prouvé euh, que leurs paroles entre guillemets étaient respectables et je vais vous donner euh, les dires euh, de ces messieurs avec Glaive euh, par exemple qui nous dit euh, euh, ce, sûrement un changement. Mizuta, il y avait des rumeurs à ce propos au moment de la venue des Danois, ils voulait Rops. Je pense que Shox euh, leur manque beaucoup une voix qui aide Apex. Voilà, à propos de changement potentiel chez Vitality, on lui pose la question et voilà ce qu'il reprend que lui, potentiellement, il ferait un changement et que selon lui, ce serait Mizuta qu'il faudrait changer. On a également Apex qui a parlé là-dessus parce qu'on lui a posé la question. Donc, lui, un peu narquois, un peu, un peu ironique, un petit peu, voilà, en rigolant, mais, mais un petit peu, voilà, il avait un petit peu le cœur serré quand même. Il y avait un. Il y avait un peu de, 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 de mélancolie aussi dans ce qu'il disait. Enfin, C'était bizarre à interpréter. Qui moi, je suis trop vieux. N'importe qui sera meilleur. N'importe qui fera l'affaire. Voilà, il disait ça un peu... Euh euh, voilà quoi, voilà, un peu saoulé quoi. Euh, mais, mais, mais mais premier degré aussi. Enfin, C'est un peu chelou euh, l'interprétation. Euh, Yuri et Kesserato, par exemple, qui disaient euh, il faut changer des Français, effectivement. Quoi, tout simplement. Euh, pour dire est-ce que vous voulez changer euh, des joueurs chez Vitality Ils disent « oui, il oui, oui, faut changer. Euh, plutôt Dano, plutôt français. Ils disent, et eux, ils ont dit bah, plutôt français. Gobi et Tapsen, qui eux, ont dit non, oh, pas de changement, euh, l'équipe est ok, euh, faut leur laisser un peu de temps et ce genre de choses. On a Ampus et Brolan euh, également, donc euh, joueurs chez NIP et leader in-game. Euh, leader in-game chez Nip, alors là c'est vraiment intéressant ce qu'il nous dit euh, en plus euh, surtout. Depuis euh, l'internationalisation de, 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 de ce projet, c'est de pire en pire. J'ai entendu qu'ils ont des problèmes avec l'anglais. La, la, euh, la com est un élément clé, euh, je le sais, d'expérience personnelle en tant que in-game leader. Quand je jouais chez Gamer Legion, voilà, c'est à ce moment-là qu'il... Qui, qui, qui fait référence. Euh, en tant que euh, leader in-game, quand tu dois traduire en anglais, euh, ça prend quelques, quelques secondes de trop et c'est ce qui coûte le round. Euh, donc oui, euh, l'internationalisation et euh, le fait d'utiliser de, de, un langage qui n'est pas euh, maternel, forcément, forcément, ça va jouer sur des timings, ça va jouer sur euh, de la réactivité et à ces niveaux-là, ça se joue à des secondes, ça se joue à des microsecondes et donc potentiellement ça pourrait euh, avoir un effet désastreux. Donc voici par exemple ce que les gens euh, pensent euh, au niveau international de euh, Vitality et s'ils devaient faire des changements ou pas. On a également KRL qui a eu des propos assez virulents. Je mets entre guillemets parce que c'est mon interprétation des choses. Je pense que euh, on aurait pu le dire avec des manières un petit peu plus euh, 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 gentle, un petit peu plus euh, calme de, 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 de dire ces choses-là, mais euh, KRL s'est euh, lâché, c'est issu d'un talk pendant une émission... Euh, qu'il a eu sur euh, sa chaîne Twitch qui est en sub-only. Donc je ne vais pas vous euh, linker euh, ce genre de choses, mais il les a bien dites et euh, c'est euh, disponible en rediffusion très certainement sur sa chaîne uniquement pour les subs. Donc il dit, j'ai un grand message pour Shox euh, et NBK, vous n'êtes pas des leaders au mieux des co -leads. vous avez essayé de lead, c'était nul, vous avez 30 ans, vous êtes nul par pitié, arrêtez, vous n'êtes pas des leaders euh, pour le bien de la France, fermez vos gueules. Euh, Apex, vous le prenez pour un débile il y a cinq ans, même lui est un meilleur lead euh, que vous. Euh, faites un effort, vous êtes nuls, vous n'êtes pas des leads, vous pouvez être euh, des excellents joueurs du tiers 1, euh, mais pas des leaders. Euh, voilà euh, ce qu'il pense. Alors, je, 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 comment dire, j'ai pas forcément euh, d'avis euh, euh, moi personnel sur RenBK, sur Shox, etc., à chaque fois, historiquement, qu'ils ont voulu prendre des, euh, des positions de capitana, de leadership et euh, d'entreprendre donc de, 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 des positions de leader in game et tout, ça n'a pas énormément fonctionné. Ou alors à court terme uniquement parce que c'était le renouveau, c'était rafraîchissant. Tout le monde faisait très certainement des efforts aussi dans l'équipe et donc forcément tout le monde euh, pagayait vers le même euh, horizon. Et donc ça avait euh, pas mal de succès et derrière des guerres des en interne et tout. Et pour moi, il y avait du sabotage et qui a mené à des kicks et ce genre de choses. Et donc au final, on a blâmé systématiquement bah, le capitaine. Moi, euh, je me rappelle également que Shox a lead chez euh, G2 pendant plusieurs années et que ça avait euh, plutôt bien fonctionné, même si à la fin, ça a été désastreux qu'il disait qu'il voulait lâcher le lead et ce genre de choses, euh, parce que c'était de grandes responsabilités et ce genre de choses. Je pense que c'est des joueurs qui sont capables de lead parce qu'ils ont l'intelligence euh, CS, le QICS, euh, c'est des grands stratèges, c'est des gros tacticiens, c'est des grandes expériences, et ce genre de choses. Là où je rejoins, là où je rejoins KRL sur le fait que euh, ce ne sont pas des leaders, c'est peut-être euh, humainement, c'est peut-être en termes humains. On ne va pas forcément respecter leurs paroles parce qu'ils ne sont pas assez... Euh, virulent, agressif vous voyez ce, ce, ce qu'incarne le leadership, cette poigne cette, cette sévérité, cette fermeté le fait de, 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 de ne laisser aucune possibilité de choix euh, quand on soumet entre guillemets une suggestion, ses limites en ordre et ce genre de choses c'est une, une grande qualité ça euh, euh, de leadership quand quelqu'un est respecté même si il euh, y a des gens qui sont respectés uniquement par, euh, par rapport à leurs euh, achievements, on les admire et donc, on les, on les écoute par, par idolâtrie. Et donc, c'est pas forcément par leur sévérité et par leur fermeté qu'on va les suivre. Le leadership, il y a vraiment plein d'aspects là-dessus. On ne va pas faire des cours de, de management et, et de psychologie et ce genre de choses. Mais là où je rejoins KRL, c'est sur le fait que moi-même, je suis totalement d'accord avec lui et que je ne reconnais pas en NBK et en Shox des leaders d'hommes en mode. Euh, vous voyez ce que je veux dire des, Ces mecs-là. Mais cette figure de leadership, cette figure de capitana n'en est qu'une en fait et des possibilités de leadership et des possibilités de capitana il y en a d'autres euh, très très honnêtement Happy a été un grand leader in game c'est un mec qui est tout calme euh, tout chétif c'est pas quelqu'un qui crie euh, c'est pas quelqu'un de virulent et de, 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 de sévère et, et ce genre de choses euh, et il y a des, euh, des, des mecs qui crient et tout bien évidemment mais il y en a d'autres non, en fait. Et je pense que c'est une sensibilité avec le collectif qui t'entoure. Parce que moi-même, euh, bah, je suis leader in-game, j'ai été leader in-game et euh, j'ai commis énormément d'erreurs et j'ai fait aussi de très très bonnes choses. Et ça m'a appris pas mal de gestion, justement psychologique et management avec les gens qui t'entourent. Et je pense que c'est euh, un leader in-game, c'est surtout euh, savoir qui t'entoure et euh, surtout, comment dire... Euh... Se fondre dans le décor et, euh, euh, et traiter les êtres humains qui t'entourent en fonction de leur sensibilité. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur crie dessus, bah, tu ne leur cries pas dessus. Et il y a des gens qui aiment bien se faire botter le cul, et dans ce cas-là, tu dois hausser le ton avec ces gens-là. Mais il faut être capable de faire les deux. Je ne sais pas si par exemple NBK et Shox euh, le sont. Euh, ça, euh, c'est mon avis. On a également euh, une un, un chronique très intéressante où euh, mm, Zonic nous dévoile dans une interview que Magisk pourrait collider avec, euh, avec Apex, donc là, sur la prochaine partie de saison, euh, parce qu'il dit euh, que, selon lui, il devrait avoir quelqu'un sur le flanc, et le, le flanc, donc c'est le rôle de Magisk, hein, c'est une extrémité, euh, qui pourrait prendre des initiatives et avoir une voix, euh, mais pas en avoir trop non plus. Et euh, donc, euh, potentiellement, on pourrait voir euh, donc Magisk qui... Devrait donc collider sur la deuxième partie de saison chez Vitality. Euh, là, par contre, c'est un fantasme, ça sort de, de, de ma tête, bien entendu. Mais il y a un monde, voilà, j'ai tweeté ça il y a quelques temps, il y a un monde où ces deux joueurs peuvent jouer ensemble chez Vitality. Please, Neo, Diazonic, de le ramener. Il y a un monde, vraiment, où euh, une cohabitation euh, Device-Ziwu euh, pourrait arriver. Oui, ça fait doublon. Oui, ça ferait une superposition de joueurs euh, totalement euh, similaires et donc un clash de rôle parce que je l'ai vu etc à ne pas oublier quand même que ZywOo n'est pas un sniper. Il n'est pas un sniper de formation et euh, on l'a obligé chez Vitality à prendre le sniper parce que c'est un joueur d'exception et parce qu'il a une grande capacité à gagner ses duels. Hein, je vous le rappelle et je vous le précise quand même. Device, c'est exactement la même chose. De base, ça n'est pas un sniper dans la scène danoise. On lui a forcé euh, justement chez TSM et après chez Astralis, historiquement, à prendre le sniper parce que ça manquait de sniper et parce que c'était un joueur qui était capable justement de remporter des duels et d'être très intelligent, d'être très rigoureux dans ses euh, décales, dans ses contrôles maps, dans ses prises de zone, mais également dans sa gestion de l'espace, notamment en défense, et donc euh, de lui donner ce rôle de sniper. Et moi je rêve d'une cohabitation potentielle avec ces deux joueurs, deux roll stars, le rôle de double AWP, etc. Ça a toujours existé dans beaucoup d'équipes Counter-Strike. Oui, ça se perd un petit peu dans le Counter-Strike de ces derniers mois, de ces dernières années, un an, depuis un an, un an et demi, euh, où le sniper est un peu moins mis en avant, mais ça, c'est dû au fait qu'il y a le buff de la M4S, le buff des side CT, euh, parce que euh, on n'économise pas, on va pas prendre le temps d'économiser en termes d'argent, parce qu'on va forcer sur des M4, parce qu'elles sont très efficaces. Et donc, euh, vous comprenez que c'est une bataille d'économie, et donc c'est plus la guerre de l'économie qui permet pas d'avoir de sniper, plus que la mort du sniper en lui-même. Le sniper reste très fort. C'est ce que je, 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 je veux signaler euh, là-dessus. Euh, et donc, pour le coup, il bah, y a un, un monde où euh, on peut rêver de ça. Et donc, voilà, c'est mon avis, en tout cas, sur euh, ce projet Vitality. Qui pourrait voir venir un changement euh, Vitality Apex c'est jusqu'à 2024 la confiance donc est inébranlable entre lui et euh, le staff ça c'est une certitude pour Mizuta euh, je sais pas eh oui non les Danois, entre guillemets ça a l'air plus ou moins safe, ça a l'air plus ou moins safe, euh, mais des changements pourraient donc subvenir très bientôt. Un point mercato, et je vous assure que dès la semaine prochaine, il va y en avoir beaucoup. Et vous inquiétez pas, j'essaierai de faire euh, systématiquement un gros récap avec des super visuels et tout, montage Tah Hollywood de Star Wars de Lewandowski de qualité pour vous faire plaisir et surtout pour pas trop vous emmêler les neurones parce que sinon tout le monde va perdre le fil. Parce qu'on le sait, hein, dès qu'il y a des changements euh, de D'écurie, de joueurs et tout, tout le monde s'y perd. En tout cas, là, il y, euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses. On a Yekindar qui était donc en last, qui était en stand-in avec Team Liquid et qui a performé d'une euh, manière absolument phénoménale et qui a, euh, entre guillemets, donné une plus-value à cette équipe euh, Liquid et ça a fait énormément de bien. Liquid aux UM colonnes, c'était vraiment un très bon niveau, surtout grâce à Yekindar, il ne faut pas le négliger. Mais ça a fait briller aussi ses autres coéquipiers derrière, Elige notamment, qui a fait de grandes prestations, euh, parce que, entre guillemets, on lui, on lui, euh, on lui euh, donne moins de responsabilités, on va en donner plus à Yekindar sur le Firepower. Donc c'est une super nouvelle. Et Yekindar, justement, il a donné une interview où il dit publiquement euh, si c'est possible, euh, je serai euh, donc. Euh, 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 potentiellement, euh, possiblement, euh, je validerai donc euh, le fait de rester chez Team Liquid. Voilà. Si on lui en donne l'opportunité, lui, il se sent bien là-bas, il aime bien le roster et donc il aimerait rester chez Team Liquid. C'est juste une interview publique qu'il a donnée et moi, je vous cache pas que c'est plutôt sympa. C'est officiel, Dexter également remplace Mantou chez OG Mantou, qui est une n'ayons pas peur des mots, une fraude internationale, voilà, je, 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 je le dis je ne comprends pas qu'un joueur de ce calibre là euh, puisse euh, euh, être chez OG à ce niveau là et ce genre de choses je vous rappelle quand même qu'il y a un an et demi, deux ans quand OG euh, donc, rentre dans le marché de Counter-Strike c'était pas Mantou euh, qu'ils avaient ciblé hein, c'était d'autres joueurs euh, euh, et ce genre de choses mais ils n'avaient pas la capacité euh, de, 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 de les acheter genre KennyS il était chez G2 euh, sous contrat, euh, les autres, ils sous là -bas, les autres, ils étaient sous contrat là-bas. Les autres, ils étaient sous contrat là-bas. Donc, ils ont dû se rabattre entre guillemets sur un sniper de moins bonne qualité. Et donc là, enfin, ils ont un sniper euh, de, 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 de très gros niveau et pour une orgue d'une grande ambition avec un, un, un grand nom. Et je pense que c'est super intéressant. On a Eternal Fire également côté Turquie qui va euh, finaliser donc son roster. Euh, je vous rappelle euh, que la semaine dernière, j'avais annoncé que Majeur faisait son euh, euh, son retour, son arrivée, son retour dans Counter-Strike et notamment dans ce projet-là avec Xantares et Woxic. Et donc là, désormais, ils ont euh, décidé de kicker euh, x et Bishop pour réintégrer. Alors là, euh, accrochez-vous, Paz également qui est de retour donc majeur qui fait venir Paz donc c'est Paz majeur Immort Woxic Exantares le projet ça donne bien sur le papier on a Artstyle également qui revient en coach donc c'est euh, coach historique euh, Space Soldier etc c'est euh, plutôt pas mal là où moi maintenant je vais pas vous cacher et je vais euh, dévoiler des sentiments personnels euh, au grand public c'est euh, comment dire ma déception enfin, je vais pas dire ma haine ma colère on va pas aller jusque là non plus mais ma déception euh, même si euh, j'arrive à le comprendre quand même je vais rester un petit peu aussi objectif sur le fait que Beyaz euh, ait, ait, ait soit écarté, voilà, Beyaz vous le savez que c'est mon ami, je ne m'en cache absolument pas, Beyaz avec qui j'ai joué pendant des années euh, chez Epsilon, franco-turc euh, qui a euh, lui-même décidé de rester loyal, notamment à Majeur sur Valorant euh, et de le suivre et ce genre de choses, et il a refusé une offre de la Carmine Corp, notamment euh, sur Valorant avec un gros salaire euh, vous connaissez la visibilité qu'a une organisation de ce type là et ce genre de choses j'en ai fait euh, notamment une vidéo et une actualité sur ma chaîne euh, Valorant donc s'il y a des gens qui ne connaissent même pas ma chaîne Valorant n'hésitez pas à aller regarder si vous aimez les actus si vous aimez le contenu que je fais sur CS je fais exactement la même chose sur Valorant parce que c'est un jeu que j'adore et c'est une scène que j'aime beaucoup et que je suis euh, et donc euh, Beyaz pour revenir euh, à, au sujet de base Beyaz donc, euh, donc là est, est à l'écart et il n'est pas euh, euh, voilà quoi, majeur entre guillemets a une opportunité de rejoindre ça, donc c'est pour ça que je dis qu'objectivement je le comprends. Aller rejoindre justement étant fire, réintégrer une équipe tiers 2 euh, potentiellement pour euh, aller chercher des slots majeurs et rentrer dans le top 15 monde et voir plus s'ils arrivent à faire de de, 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 de de un gros travail et vraiment qui bosse dur. Et voilà, je pense que c'est leurs ambitions en tout cas. C'est sûr à 100% que c'est une énorme opportunité qu'il qu faut saisir. Comme pour Beyaz, qui je pense que c'était une, une, une opportunité qu'il fallait qu'il saisisse sur Valorant. Moi, en tout cas, je vais bourrer le crâne pour qu'il y aille. Mais ce mec-là, il a des valeurs et une éducation. Et il ne veut absolument pas trahir ses amis. C'est quelqu'un de très loyal. Et euh, il, ne, il, ne, il, il c'est inenvisageable. Voilà, je vous le dis, c'est inenvisageable dans sa tête d'être comme ça. Je vous cache pas que je suis exactement comme lui, sauf que moi, je suis, je suis meilleur pour donner des conseils que pour les appliquer. Donc, allez dire à un pote à moi, frérot, là, il faut que tu penses à toi, fais-toi plaisir, fais-toi du bien, accepte ça, c'est une offre de ouf et tout, que l'appliquer pour moi-même et entre guillemets trahir son pote pour dire ah vas-y frérot, je quitte l'équipe pour aller là-bas. Bon bref, vous, vous voyez où est-ce que je veux en venir ça donc c'était ça s'est passé il y a quelques mois pour que au final majeur quitte valorant et donc laisse béat en plan pour aller sur ses bon l'opportunité est là les gars il faut la saisir mais c'est pour vous montrer également euh, les inside les coulisses un petit peu de de, 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 de counter strike de l'esport de valorant euh, qui ont quand même des destins très euh, très rapprochés et pour montrer que tout va vite et que euh, et ben voilà c'est c'est un jeu compétitif, c'est un milieu professionnel aujourd'hui, et il faut penser de manière professionnelle, de manière ambitieuse, et quitte à être, euh, c'est même plus une question de loyauté ou pas là, mais vraiment euh, limite hypocrite, euh, euh, individualiste, égoïste et ce genre de choses. Euh, bon, voilà, fini, fi on finit sur ce sujet. On va enchaîner sur la scène ukrainienne avec de super nouvelles et le retour d'Edward et de Bondik, Edward qui jouait donc euh, chez Navi euh, sur Counter Strike Global Offensive. Euh, champion de titre majeur depuis des décennies et également sur 1.6, joueur absolument légendaire de la scène euh, CIS qui reviennent justement avec un projet de toute pièce et des petites pépites avec euh, Bondic, Edouard, ISK, Alex et Fostar. Donc il y a trois, trois joueurs que je ne connais absolument pas mais on sait que le, le, le vivier de talent qu'il y a sur la scène CIS est absolument phénoménal et donc euh, moi je trouve que c'est juste super d'avoir cette, cette combinaison et cette fusion entre des joueurs d'expérience qui lâchent pas le jeu, qui reviennent et ce genre de choses. J'adore ça euh, notamment sur la scène française d'ailleurs on va en parler avec Amanek qui euh, fait son grand retour en France et notamment chez LDLC euh, on a Ence, euh, mais avant ça, on a Ence qui vient de Riville. son euh, équipe Académie, voilà son équipe Académie mes frérots et euh, donc je ne connais absolument aucun euh, des cinq joueurs mais ENCE Academy donc voit le jour et c'est encore une fois une super nouvelle CS:GO euh, va bien à l'international ça va très très bien j'attends de plus en plus d'initiatives comme ça en France même si là ça commence à pointer le bout de son nez et on voit un spectre qui est en train de se dessiner euh, pour euh, pour, pour le bien, pour le bien vraiment de la scène française qui est en train de se dynamiser de plus en plus et qui va faire du bien à tout l'écosystème de Counter-Strike en France, ouais, je peux vous l'assurer. La résurrection de la scène française, juste avec potentiellement Amanek qui fait son grand retour sur euh, donc un projet 100% français et donc euh, bah, il intègre justement LDLC voilà. Mais euh, oui, je, le, le, mot, le mot est choisi avec beaucoup, 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 beaucoup de, de sagesse. Et je pense que c'est une résurrection. Parce qu'on commence à voir un spectre se dessiner euh, pour le bien, justement, de tout l'écosystème Counter-Strike en France. Parce que ça est en train de dynamiser un petit peu tout le monde. Ça donne euh, des idées à tout le monde pour justement euh, avoir des initiatives et reprendre un petit peu le milieu compétitif. Euh, pour certains, je pense que ça va donner vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de courage. J'ai une impulsion comme ça, d'une de, 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 volonté à tout le monde d'être de, 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 un acteur de cette scène française. Voilà, je vous le dis, c'est absolument phénoménal. Dans cette vidéo, je vais, euh, euh, je vais vous demander euh, surtout de regarder jusqu'à la fin parce qu'il y a énormément de belles choses à en tirer avec euh, euh, mon avis subjectif mais également objectif. On a KRL qui a été extrêmement virulent à l'encontre justement d'El DLC. Euh, vraiment, je suis très gentil avec le mot euh, virulent pour le coup. Euh, je vous laisserai vous-même euh, vous. -même, vous faire votre avis parce que je vais même pas essayer de vous influencer euh, sur ce coup là, c'est vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout mon but. Il n'y a absolument rien de personnel, je préfère le clarifier avant toute chose. Je vous invite encore une fois à vous abonner euh, à la chaîne YouTube, les amis. Continuez de soutenir euh, mon travail, continuez de soutenir un petit peu euh, bah, la scène française euh, parce que c'est ce que vous faites en, en, en me donnant euh, pas mal de force. Et j'ai l'opportunité, j'ai la chance de gagner euh, potentiellement une voiture si j'atteins les 10 000 retweets sur Twitter. Donc, je vous invite encore une fois à me donner un petit coup de main. Voilà, si vous avez une âme charitable, un petit retweet, c'est gratuit et vous pouvez potentiellement me faire réaliser un truc absolument énorme. Je sais pas si vous réalisez que 20-30 000 euros, une voiture comme ça, c'est absolument ouf. Passons maintenant aux choses sérieuses et à Manek, euh, qui va rejoindre Red DLC avec peut-être du renforcement à venir en plus de ce joueur d'exception. Enfin, j'espère, c'est vraiment mon avis personnel sur ce coup. J'espère qu'il va y avoir du renforcement parce que selon moi, uniquement la venue d'Amanek, ce n'est pas suffisant pour les ambitions qu'ils veulent afficher en tout cas. Euh, une nouvelle équipe euh, donc, qui peut prétendre à des ambitions internationales avec cet ajout. Annonce à venir très très bientôt, la fin de contrat entre guillemets avec Amanek etc, les DMCA les clauses de confidentialité etc c'est 18 juillet, donc euh, on va avoir un trailer, une annonce, un machin très bientôt, mais c'est fait Amanek donc va chez LDLC et euh, surtout Attention, KRL, il n'y a, a pas été de main morte euh, sur ce sujet. Euh, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous montre un petit peu la news euh, sur HLTV avec Amanek. Et donc, forcément, là, à l'heure actuelle, le roster chez LDLC, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a Gravity, on a Divi, on a Nateu, on a Broxy, Unshark, Snobling, Erasmo. Voilà, on a Snobling et Erasmo qui sont des joueurs de la SED euh, subtop française. C'est des espoirs un petit peu français, ce genre de choses. On a Unshark qui est euh, le sixième joueur et ce genre de choses. LDLC dans un premier temps ils ont recruté énormément de joueurs de la scène française parce que c'était de la main d'œuvre entre guillemets pas très chère et surtout c'est un projet qui voulait mettre en avant sur le long terme avec des rotations de joueurs avec le sixième joueur et ce genre de choses pour voir justement pour 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 faire du scouting pour tâtonner un petit peu à droite à gauche voir qui avait plus de potentiel qu'un autre qui était capable de délivrer plus de headshots qu'un autre qui était sujet à la pression et d'autres non et ce genre de choses donc on scoute large on ratisse large pour justement ensuite filtré Je pense que c'est le but numéro un de ce projet-là. On a Electus il y a quelques temps, je l'avais annoncé, donc sa mise à l'écart qui est Bench. Là, potentiellement, on a la venue d'Amanek et donc très certainement, je l'espère en tout cas, du renforcement aussi à venir. Du renforcement, imaginez euh, justement Mizuta qui est kick chez Vitality. Boum, euh, Mizuta qui vient là. Alors oui, soyons, euh, soyons honnêtes, pour Amanek, c'est un downgrade de ouf c'est une baisse de niveau de ouf par rapport à G2 finale de major le mec est invité dans tous les tournois tiers international c'est plus pas du tout les mêmes ambitions mais s'il va chez LDLC c'est très certainement qu'en interne ça discute je peux vous, déjà vous assurer que son salaire on est entre euh, 7000 et 10000 euros par mois ah, ça c'est mon avis je vous le dis c'est acté euh, ça veut dire que très certainement en interne les dire c'est ouais t'inquiète François on va construire un projet autour de toi tu vas être maître de ce projet-là, tu vas être collide, etc. Tu vas apporter ton expérience, tu vas apporter tout ton savoir, toutes tes connaissances du haut niveau pour essayer justement de ruisseler, de faire ruisseler tes connaissances et ton savoir sur tes coéquipiers, ces jeunes joueurs qui vont justement upgrade, eux ils vont prendre du galon. Donc, ça, c'est une première chose, mais également, on va te donner des possibilités. On va te donner une enveloppe, on va pas lui donner à lui, mais on va donner une enveloppe euh, économique, une enveloppe en plus financière pour justement renforcer ce projet-là et faire venir des joueurs de meilleure. D'ailleurs qualité, donc Mizuta imaginez qu'il soit kick chez Vitality, boum, il, peut il peut intégrer ce projet là, on a Kyojin chez Hit, on a des joueurs chez Hit, on a des joueurs chez Falcon, on a des joueurs, voilà vous vous rendez compte que on peut renforcer ce projet là pour justement avoir des ambitions internationales de meilleure qualité, je vous rappelle qu'il y a NBK qui serait en partance chez Falcon, on a Hit qui joue déjà un très bon niveau, il y a Lucky qui serait sur la sellette avec l'arrivée potentielle de Shox, j'ai entendu ça, rumeur par rumeur, donc imaginez quand même Shox intégrer Hit NBK qui intègre Falcon, Am qui intègre LDLC, ça fait vraiment 3-4 équipes avec des représentants français au niveau international de très très grand niveau et de grandes ambitions. Donc c'est la résurrection, selon moi, de la scène française. Maintenant, je vais vous montrer euh, donc un récap de KRL ce qu'il a pu dire euh, donc euh, dans un talk etc euh, à propos d'ldlc LDLC, euh, Snowbling etc euh, donc Snowbling c'est de la merde il a 24 ans c'est trop vieux il va ramener aucune expérience peut-être faire des crêpes des pâtes au beurre il n'est pas au niveau d'ldlc LDLC, il est en dessous il travaille pas il n'a pas d'école c'est pas un grand bosseur un peu virulent un peu agressif euh, un peu démesuré je pense euh, la vie de KRL sur ce joueur qui selon moi ne le connaît pas assez pour pouvoir émettre justement de tels euh, jugements. Alors on est dans le jugement, on est clairement sur de la catégorisation, de l'étiquetage de, 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 de personnes et je suis vraiment totalement contre ça. J'ai subi ça moi toute ma vie, donc euh, je sais ce que c'est d'avoir appris une étiquette et ce genre de choses. Moi je ne le connais pas Sobling, hein. moi je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le follow pas sur Twitter, je n'ai jamais joué, ne serait-ce que un round avec lui sur Faceit, ou alors j'en ai absolument aucune, aucune, aucune mémoire. Alors, aucun souvenir, mais je suis vraiment contre ça, le, le mec il vient du subtop il était chez Exalti, euh, il joue avec euh, justement Xerus qui est un pote à moi, Powell c'est tout ça avait fait de bons petits résultats, il a une possibilité justement là d'intégrer le DLC, on lui dit trop vieux à 24 ans, frérot il y a Karigan, il a 32 ans, Apex il en a 30 il y a plein de joueurs qui ont 30 ans, 24-30 ça fait 6 ans pendant 6 ans il peut jouer au haut niveau encore maintenant et espérer justement percer, Jack a percé très tard Joko euh, perce quand même très tard là chez Hit, il y a pas mal de joueurs comme ça qui peuvent percer très tard, c'est une question de volonté en fait si tu as envie, tu as les moyens, tu faim, tu vas. C'est pas personne peut te limiter. Personne peut te dire tu peux pas y arriver parce que tu as un handicap, parce que tu es noir, parce que tu es un arabe, parce que tu es blanc, parce que tu es juif, parce que tu es gros, parce que tu es mec, parce que tu es moche, parce que tu es une meuf. Ça, je ne comprends pas. Et d'où maintenant on va discriminer les gens par rapport à l'âge Je ne comprends pas. Je suis d'accord sur le fait que un joueur qui est plus jeune a plus de chances de percer et on va plus miser sur lui parce qu'il a plus de entre guillemets, avant de vieillir, avant d'atteindre un âge entre guillemets de non-retour ou je ne sais pas quoi, même si pour moi dans le il n'y a pas d'âge de non-retour, on est dans un écosystème qu'on crée, on est dans un écosystème, on est en plein dedans, on est en plein dans la machine. Si des joueurs ils veulent s'arrêter à 30 ans parce qu'ils sont millionnaires, parce qu'ils ont tout gagné, parce qu'ils sont rassasiés, parce que ça devient des flemmards qui veulent plus bosser, c'est eux les mauvais exemples. On ne peut pas catégoriser tout le monde qui s'arrête à 30 ans parce que ces mecs-là s'arrêtent. Si moi j'ai 30 ans et que j'ai faim du jeu, j'ai 35 ans et que j'ai faim du jeu et que je joue comme un petit de 15 ans. Je pense que sur l'esport en tout cas, étant donné que les attributs athlétiques, etc., ce n'est pas une barrière, selon moi, il n'y a rien. Alors, oui, à l'argument des réflexes, du temps de réaction et ce genre de choses. Je suis désolé, les pilotes de Formule 1, ils ont 40 piges, ils s'entraînent et le truc du cerveau, là, les trucs cognitifs et tout, ils s'en sortent très très bien avec les réflexes. Donc, euh, pour moi, euh, cet argument, c'est de la merde entraînement, volonté, motivation, mais il faut se donner les moyens, il hein. ne faut pas faire les acteurs aussi et être des branleurs. Donc je trouve le commentaire très virulent. Il s'arrête pas là, et parce qu'il continue justement sur, au, à propos d'Unshark et de Lambert, euh, le coach justement de chez euh, LDLC. Unshark a torpillé le roster LDLC, c'est Lambert qui a fait l'erreur de le recruter, euh, je lui avais dit de ne pas le prendre, euh, mais il m'a pas écouté, ses teammates veulent plus jouer. Les, ses teammates ne veulent plus jouer avec lui, ça prend la pression, c'est pas assez fort, c'est un joueur average. Encore une fois, on est dans le jugement, alors très certainement que là, il a des insides, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les joueurs LDLC appartenaient euh, à KRL, notamment chez Gen 1, pendant quand même pas, pas mal de mois, voire années, il me semble, et donc très certainement qu'il doit avoir des inside avec des joueurs qui lui disent, ouais, ce joueur... Euh, il prend la pression, il choque dès qu'il y a un match, machin. C'est une salope, il tremble et tout machin. On connaît sur la scène française, tout le monde se crache dans le dos, tout le monde se... Donc là, je dis que potentiellement, il peut avoir un inside et qu'on en est là. Et que là, le jugement, entre guillemets, je peux un peu plus le respecter, même si je pense que c'est trop dur parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Oui, il y a la pression, t'es un sixième joueur, t'es en concurrence en interne, c'est de la concurrence néfaste, je l'ai déjà dit avec la cohabitation Amanek-Jax rappelez-vous au moment où il devait réintégrer qu'il y en a un qui est testé puis l'autre qui est testé en fonction des tournois, il y a même une interview de Jax que vous pouvez aller regarder sur ma chaîne YouTube où lui-même dit que c'était nauséabonde, qu'il avait perdu sa confiance en lui, qu'il n'y arrivait plus pendant cette période, que c'est ultra désagréable d'être en concurrence en interne et ce genre de choses, être en concurrence avec des, avec des adversaires c'est une chose, en interne c'est autre chose, en interne ça veut dire que pas la confiance de tes coéquipiers, ça veut dire que t'as pas la confiance de ton staff, ça veut dire que t'as pas cette confiance et c'est trop, trop, trop néfaste en fait quand t'as l'œil de tes propres coéquipiers qui est dans le jugement et t'es en clutch et les mecs ils te regardent et ils vont souffler, ils vont dire des trucs et tout, un hey, nice try, un nice try où tu sens qu'il y a de l'hypocrisie et tout, c'est extrêmement difficile de se sortir de ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu en interne. Je peux vous assurer que c'était la pire période de ma vie. Je l'ai vécu pendant trois mois. Je peux vous assurer que j'ai jamais été aussi mauvais de ma life. C'était une dinguerie. Et après, je suis sorti de ça et bizarrement, j'étais bon. Bref, euh, voilà. Il va pas. Euh, je vous donne euh, également euh, ce qu'il dit à propos de NBK et, 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 et Shox parce que là aussi, il a tenu des propos euh, assez assez costauds. Hein. Il n'a pas sa langue dans sa poche. On connaît, on l'aime pour, euh, pour ça justement. Euh, même si euh, je le rejoins sur quelques points là-dessus, mais pas, euh, pas tout et surtout pas du tout sur la forme. Euh, J'ai un grand message pour Shox et NBK vous n'êtes pas des leaders, au mieux des collides. Vous avez essayé de lead, c'était nul, vous avez 30 ans, vous êtes nul. Par pitié, arrêtez, vous n'êtes pas des leads. Pour le bien de la France, fermez vos gueules. Apex, vous le preniez pour un débit il y a 5 ans, même lui est un meilleur leader que vous. Faites un effort, vous êtes nul, vous n'êtes pas des leaders. Vous pouvez être euh, des excellents joueurs du tier 1. Euh, mais pas des leaders. Voilà, il a exprimé un avis euh, plutôt euh, tranché sur euh, Shox et NBK, euh, que je rejoins dans le sens où, potentiellement, selon moi, humainement, ça n'a pas forcément une force de caractère folle, Shox et NBK, et que ça n'a pas du leadership poignant, virulent, euh, et qui va inspirer les gens avec ce, cet aspect-là du, du leader qu'on veut donner, euh, conquérant, euh, guerrier, euh, spartiate, et ce genre de choses. Selon moi, Selon moi, le capitana, le leadership, ça ne, ça, ça n'est pas, euh, ça n'est pas, comment on dit, personnifié, ça n'est pas caractérisé que par ces éléments-là. On va pas faire de la psychologie, on va pas faire euh, du management, mais. Euh, le respect, euh, l'admiration, euh, respecter quelqu'un pour son expérience, respecter quelqu'un pour son intelligence de jeu, respecter quelqu'un pour son aura, pour ce qu'il dégage, pour son nom, pour sa prestance, euh, pour sa carrure un petit peu, pour son charisme, c'est également du leadership, c'est également du capitanat. Euh, et selon moi, le, un vrai leader, un vrai capitaine, un vrai, un, un vrai meneur d'homme, c'est quelqu'un qui sait se fondre parmi ses, parmi ses suiveurs entre guillemets, parmi son collectif, parmi les gens qui l'entourent. c'est à dire adapter son comportement en fonction des gens qui l'entourent être calme avec quelqu'un de calme, être virulent avec quelqu'un de virulent, ou alors le contraire, si quelqu'un a besoin qu'on qu lui tire un petit peu les oreilles, eh on va lui tirer les oreilles, ce genre de choses. C'est comme un professeur à l'école qui a 30 élèves, il ne va pas... Euh, appliquer une même méthode, une même méthodologie euh, d'enseignement de, 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 pour les 30 élèves. Il va essayer d'adapter en fonction de, des individus. En tout cas, moi, j'ai eu cette chance, de, je suis né en 91 et que quand j'étais à l'école, je vous garantis que j'avais des professeurs qui étaient vraiment comme ça et j'ai eu énormément de chance, moi, à l'école, avec des professeurs vraiment magnanimes et qui étaient à l'écoute et ce genre de choses. Pareil pour des coachs euh, dans le foot que j'ai eu. Euh, un coach a une méthode, non, c'est faux, il a bien entendu une vision, mais il va pas euh, coacher ses joueurs euh, tout, en fonction des caractères quelqu'un qui est un boudeur, quelqu'un qui est agressif quelqu'un qui est euh, introverti va lui donner de la confiance quelqu'un qui il faut mettre en laisse il va le mettre en laisse c'est pareil pour tout le monde Donc, comme un coach sportif hein, voilà on va pas faire du, du coaching de la psychologie du, du management et ce genre de choses mais pour moi le leadership ce n'est pas uniquement incarné par ce que Veut, parce qu'il veut nous montrer je pense KRL, même si je suis d'accord sur le fait qu'il manque très certainement de, 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 de carrure parce que je pense qu'il l'interprète aussi comme ça mais je pense qu'il est aussi malheureusement très très dur, dans tous les cas on va finir sur le fait que c'est une super nouvelle, Amanek donc rejoint LDLC, résurrection de la scène française j'en suis persuadé, ça va dynamiser tout le monde ça va upgrade le niveau de tout le monde certes pour Amanek c'est c'est reculer pour mieux sauter. En tout cas, je l'espère. Ouais, parce que ça peut être un échec. Et dans ce cas-là, ce serait un choix de carrière absolument désastreux. Mais je pense que s'il y a renforcement et si on lui donne justement cette confiance euh, chez LDLC, parce qu'ils ont des moyens absolument phénoménaux, LDLC, vous hein, vous rendez pas compte, de, 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 du budget qu'ils ont en termes de, de moyens financiers, c'est absolument énorme. Sachez-le. Euh, donc les possibilités sont totalement infinies et ça va dynamiser la scène française. J'attends vraiment de super choses. C'est positif de ouf. Les hommes... Contre les femmes sur CSGO. Et oui, ça, c'est magnifique. Ça, c'est un sujet croustillant comme j'aime. Et surtout, je vais pouvoir m'appuyer sur des statistiques. Normalement, vous devriez connaître ma position sur le sujet. Si ce n'est pas le cas, eh bien, écoutez, encore une fois, c'est une opportunité pour moi de, euh, de, de donner tout simplement mon avis euh, là-dessus et de manière objective. Parce que oui, je pense qu'il n'y a pas de euh, différence entre hommes et femmes, en tout cas au niveau de l'esport parce que les attributs athlétiques ne sont pas du tout à prendre en compte. Voilà, Moi, je suis de, 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 de ces gens qui pensent qu'un homme bah, court plus vite qu'une femme et qu'il saute plus haut qu'une femme et qu'il est plus fort et plus puissant qu'une femme et donc faire la course avec une femme, c'est compliqué. Bah, oui, enfin en tout cas de, de haut niveau, hein, parce que bien évidemment que moi, en tant que... En tant que flemmard, gros lard, si je vais faire la course avec une femme athlète qui court le, le 100 mètres en je sais pas combien de secondes, elle va mettre la pâtée. Mais ça c'est autre chose. Mais à niveau équivalent, je pense que bah il y a pas match. Mais dans l'ESport, les attributs athlétiques ne sont pas à prendre en compte. Et selon moi, eh ben le niveau peut être totalement, totalement, totalement le même pour deux individus de sexe différents. Je pense, je vais m'appuyer sur euh, une super, 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 super euh, asset de la part de PlayJJ euh, où on voit euh, la différence, la moyenne entre les hommes et, et la moyenne entre les femmes sur le temps de réaction le taux de précision et ce genre de choses attention 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 le truc est un petit peu frauduleux aussi parce qu'il est à la WAP et ce genre de choses donc c'est pour ça que je vais m'exprimer sur le sujet de manière un petit peu plus générale et on peut voir par exemple que euh, on est sur le rifle ici et on voit que il eh, y a une petite différence quand même en termes de temps de réaction on a euh, la first bullet accuracy donc là le la première balle sur le headshot la première balle qui touche etc donc là ça va surtout en, 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 engager le crosshair placement etc les décales et tout là on peut voir que c'est quasi identique euh, le headshot pourcentage là c'est pareil encore une fois c'est surtout lié comme j'ai le dit au crosshair placement le headshot pourcentage ça n'a rien à voir avec la précision il faut être honnête le grenade d'usage la même chose hein, voilà c'est grenade, on s'en fiche euh, et le time to damage exactement là par exemple le, le même temps de réaction le temps de réflexe est exactement équivalent encore une fois ce qui prouve que une femme mécaniquement a quasi les mêmes statistiques que les hommes donc euh, temps de réaction précision réflexe euh, le, 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 le regard, le, comment se positionner, ce genre de choses. Pareil. Les unités de mesure, enfin, on les connaît. Comment ça a été euh, mesuré, ce genre de choses, ça, on ne sait pas. Quels échantillons, qui, comment, pourquoi, et ce genre de choses. Parce que c'était femme contre femme, mec contre mec, et ce genre de choses. Je rétablis déjà une vérité que peu de gens ont... Euh, que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. J'ai pas mal de gens qui disent ouais c'est de l'e-sport, ça devrait être mixte et ce genre de truc parce que suite à mon tweet j'ai pas mal de gens qui euh, sont tombés au dépourvu et ils ne savaient pas de quoi on parlait. Il faut savoir que CS:GO et même Valorant par exemple sont des jeux mixtes. Les femmes participent aux compétitions des hommes. C'est juste que elles se font péter le cul, tout simplement, par les hommes. Je pense que le niveau des mecs est au dessus parce qu'ils jouent depuis plus longtemps que c'est faux il y a quand même une élite de femmes qui est là depuis 1.6 depuis Counter Strike Source depuis le début de CS:GO les meilleures joueuses du monde entre guillemets féminines sont là depuis plus de 15 ans dans le monde de l'ESport et notamment justement sur Counter Strike donc en termes de d'expérience de, d'années de jeu d'heures de jeu c'est pareil je connais des meufs qui ont 12 13 15 000 heures de jeu autant que des mecs et elles sont très très fortes mais elles n'ont pas le niveau du top 10, 20, 30 monde. Je pense que les meilleures joueuses du monde, selon moi, ça n'engage que moi. Je pense que les meilleures joueuses du monde, la plus grande équipe de meufs du monde, a le niveau des équipes, selon moi, en ESEA main, maximum en ESEA Advanced. Et je suis très gentil de dire ESEA Advanced. C'est du T4. T4. C'est du petit T4. Il y a juste une différence. Que je n'explique pas. Voilà, que je n'explique pas. Et je suis dans l'inconnu total. Je suis dans le flou. Je suis dans une, dans une interrogation pure et dure. Je n'arrive pas à donner d'explication là-dessus. Pour moi, elle joue pareil. Elle copie le jeu des mecs, etc. Parce que tu copies le jeu. le le, 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 le plus abouti, le, le plus haut niveau. Donc tu regardes Navi, tu regardes G2, tu regardes Astralis, tu regardes Face, tu regardes voilà Vitality, tu regardes le meilleur niveau. Donc elles copient ces, ces, ces mecs-là, elles font les mêmes strates. Elles ont des coachs hommes euh, pour certaines, des anciens joueurs pro également, etc. Donc elles sont bien, elles ont des staffs, elles sont payées, elles sont full-time. Tout est... Euh, Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a pas Les misogynes, les gros détraqués diront elle pue la merde, c'est des meufs, euh, ce que vous voulez. Vous êtes des abrutis, euh, non. Le but c'est de trouver vraiment pourquoi, comment et ce genre de choses. Et pour le coup, je, je ne me trouve pas d'explication. Je, je vous le dis, je ne me trouve pas d'explication. Euh, J'ai déjà vu des joueuses individuellement être, être, mais genre vraiment euh, fantastiques. Euh, des joueuses Giuliano, euh, Mimikela, etc. Je jouais avec elles pendant des années, notamment à FPLC, et individuellement, elles n'étaient pas du tout à la ramasse. Elle faisait euh, entre 15 et 22, 23 kills, euh, des fois plus peut-être, mais je parle en termes de moyenne statistiquement, elles étaient entre 15 et 22 kills sur de la FPLC qui euh, regroupe, entre guillemets, euh, les espoirs de la scène internationale. Donc j'y ai joué pendant deux ans et demi, trois ans à peu près, c'était le tiers 4, tiers 3, un peu du tiers 2, il y avait quand même pas mal de joueurs du tiers 2 également dedans. Et elles tenaient la baraque euh, sans aucun problème, elles n'étaient pas dernières du scoreboard à 0 kills et ce genre de choses. Individuellement, elles sont là. La solution serait peut-être de faire des équipes mixtes. Et là, le problème bah, qu'on pourrait rencontrer, c'est très certainement, bah oui, un petit peu de misogynie, un petit peu de sexisme, un petit peu de mise à l'écart et de discrimination sur le fait que des hommes ne veulent pas forcément se mélanger avec des femmes compétitivement, de faire une cohabitation et ce genre de choses. Bon, aujourd'hui, euh, le débat n'a pas lieu parce que les meufs qui étaient bonnes, elles ont, elles ont bougé, euh, elles ont bougé sur Valorant. Donc là, à l'heure actuelle, je trouve vraiment que le niveau féminin sur CS, il est désastreux. Que avant, par contre, il était meilleur avec des joueuses vraiment de grande renom comme Zaz, etc., qui sont championnes du monde, des joueuses françaises également. Ne pas négliger la scène française qui était vraiment d'un très très gros niveau avec Amandine, Nasty, euh. Euh, de, 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 J'oublie des pseudo Princesse, uh, Lalita, uh, Misa, uh, Kla, vraiment, c'est des joueuses que j'ai de mémoire. C'est parce que ces joueuses, je les ai connues, je les ai rencontrées, j'ai fait des tournois avec elles, j'ai joué avec elles pour certaines, Alejandra, Tueuse, j'ai fait des tournois, moi, avec des meufs, j'ai gagné, non, j'ai pas gagné, j'ai fait troisième et deuxième à un autre tournoi, à des lanes. En France, contre des mecs, et on leur a pété le cul. Bon, il n'y avait qu'une meuf à chaque fois, systématiquement, dans le, dans, dans, dans le truc. Il est vrai que c'était un petit peu en dessous de nous, mais elles faisaient leur taf plus que ce qu'il faut. Et euh, on faisait des pick-up avec des meufs et tout à l'époque et tout. Ça se passait bien, euh, le niveau était là. Euh, J'en je, 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 suis témoin, quoi. Et euh, je, je ne me l'explique pas. Mais euh, statistiquement, et je pense que le bon sens aussi voudrait que tout est OK quoi tous les feux sont au vert et que euh, il faudrait quelque chose pour moi une, certainement une petite cohabitation première équipe qui passera le cap ce sera ce sera fabuleux je parle même pas de l'argument marketing publicitaire image et ce genre de choses qui serait absolument euh, on s'en fiche c'est bankable on le sait très bien imaginez une équipe demain homme et femme euh, ça casserait la baraque en termes de chiffres vous le savez très bien donc là-dessus il n'y a aucun il a aucun truc je sais qu'il y a une équipe qui avait fait ça ça a été un flop c'était sur Valorant euh, c'était aux états unis c'était Potter et tout, c'était au tout début de Valorant et il y avait une équipe mixte, je crois c'était Faze ou un truc comme ça, ils avaient pris une équipe mixte, euh, je crois il y avait genre un truc comme deux meufs ou trois meufs et deux mecs et euh, c'était de la merde, ils se sont fait péter le cul, cette équipe s'est fait écraser par toute la concu mais c'est peut-être eux qui étaient nuls et pas forcément meufs, mecs ou ce genre de choses mais je pense qu'on peut, on peut rêver, on peut espérer... Je pense dans l'avenir, euh, quelque chose de mieux. Même si euh, pff, je me mens à moi-même en disant ça, parce que je pense que le, le vivier de joueuses s'est échappé sur Valorant, parce que la scène est beaucoup plus prolifique pour elle, euh, notamment sur ce jeu, parce que Riot a mis en place des ligues, etc. Euh, le, les sponsorships est meilleur, euh, le branding est meilleur, elle gagne plus d'argent là-dessus. Et, euh, et Riot les chouchoute pas mal, que ce soit les mecs ou les meufs. Mais. Euh, donc euh, ça va mettre du temps avant que les meufs actuelles vraiment prennent le niveau qu'elles avaient les autres et ce genre de choses, parce qu'elles avaient fait des championnats du monde, elles avaient fait des tonnes et des tonnes de tournois qui leur ont, ont permis d'acquérir pas mal d'expérience, pas mal de niveaux, de connaissances, et il n'y a pas mieux que le terrain pour progresser malheureusement et, euh, et c'est dommage quoi, c'est dommage. Mais sachez que CSGO est mixte et que les meufs en général font des tournois de, de mecs quoi, et dans les ligues de mecs justement. Merci d'avoir suivi l'actualité les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine continuez de vous abonner, continuez de partager les vidéos, ça me fait énormément plaisir et puis on fait grandir cette communauté, cette belle communauté de Counter-Strike de l'esport en France. Merci.